Je suis ravi de vous retrouver dans votre podcast quotidien « Et qui dit met le feu au quinté » avec au programme trois rubriques. Feu rouge pour mon impasse, feu orange pour mon coup de folie, enfin feu vert, mon coup de foudre. En fin d'émission, je vous révélerai mon ticket pour décrocher le pacte. Sur la grille de départ du prix Bernard Lequellec à Vincennes, 16 concurrents de 6 à 10 ans vont batailler sur la distance de 2700 mètres. Feu rouge, je freine avec le 7 Sahara Jaybird. Si la course s'était disputée à l'autostart sur un parcours de vitesse, je l'aurais retenu. Départ volté avec 16 compétiteurs au même poteau, je crains que le protégé de Dominique Lepneu s'élance sur la mauvaise jambe. Tout se jouera dans les premiers mètres de course. Feu orange ralenti avec le 9 Elliot Kao. Dans la finale du Trophée Vert à Cran, il a réalisé une excellente rentrée. De retour sur les 2700 mètres de la grande piste, un tracé sur lequel il affiche le meilleur chrono, il a l'avantage de suivre tous les trains. Si son pilote Anthony Barraillet le dompte au départ, il peut donner chaud au grand favori Gold d'RP. Feu vert, j'accélère avec le 3 Gold d'RP. Son CV parle pour lui avec 20 victoires en 42 sorties, soit quasiment 50% de réussite à la gagne. La preuve que son mentor le court souvent à bon escient. Battu par un pisteur le 28 août dernier, il affiche pieds nus 90% de réussite dans les 5. Il a déjà trotté sous la barre des 13 sur 2875 mètres. Autant d'éléments qui plaident en faveur de sa candidature. Pour mettre le feu aux poudres, je vous propose un quintet plus combiné flexi 25% avec le 3, le 9, le 4, le 6, le 2, le 13 et le 11 pour la somme de 10,50 euros. N'oubliez pas, si vous voulez aussi mettre le feu au quintet, rendez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et n'hésitez pas à vous abonner à notre émission quotidienne pour avoir accès à tous les épisodes à venir, sans oublier de laisser un commentaire et une note.